Des vacances familiales. Quelques jours après avoir célébré Noël avec la reine Elisabeth II à Sandringham, Kate Middleton et le prince William vont s'absenter pour une semaine de vacances. Comme ils en ont l'habitude, les Cambridge vont prendre la direction d'une station de ski avec leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, mais aussi les parents de la duchesse, Carol et Michael Middleton. De quoi prendre du repos mérité dans un endroit qu'ils chérissent spécialement. Et les bambins ne seront pas en reste puisque l'aîné et la cadette de la famille ont déjà profité de plusieurs vacances enneigées. Les Cambridge veulent partir skier au début de la nouvelle année avec les enfants, a assuré un proche du couple Lawson. Les parents de Kate, Carol et Michael Middleton, devraient également garder les enfants dans le chalet de ski, a poursuivi l'anonyme auprès du tabloïd britannique, qui a révélé que Kate Middleton avait d'ores et déjà acheté d'adorables tenues de ski pour ses trois enfants. Le prince George et la princesse Charlotte pourraient porter des vestes Jack Wolfskin à 100 livres avec des vestes de ski Roxane bien isolées et légères du designer finlandais Emma à 125 livres, a ajouté la source. La première fois que George et Charlotte ont profité de vacances à la neige, c'était en 2016 dans les Alpes françaises. Et à l'époque, les deux enfants semblaient aussi à l'aise que leurs parents dans ce décor hivernal. Kate et William soulagés par l'absence de Meghan et Harry avant de s'envoler dévaler les pistes, Kate Middleton et le prince William seront aux côtés de Sa Majesté pour les fêtes de Noël. Et cette année, les Cambridge devront se passer de Meghan Markle et du prince Harry, qui se trouvent à Los Angeles depuis plusieurs semaines. Si est avec la mère de la duchesse de Sussex que les parents d'Archie célébreront le premier Noël de leur bambin. Une nouvelle qui a soulagé Kate Middleton et le prince William, comme le révélaient des experts à Express, même si le futur monarque éprouve un sentiment étrange à l'idée de ne pas avoir son frère près de lui en ce jour de fête familiale. Après avoir passé les 24 et 25 décembre avec la reine, les Cambridge profiteront de la famille de Kate Middleton avant de s'envoler au ski avec leurs enfants.